Fini. Thank you.
then the other one was the other one. Then we go and get the other one. Also. That? No, it is our chiller, but we can't have a little in the room. I think of you here with me. Okay, that's what is here. Okay. Well, let us see the other meal. I'll go ahead and make a small statement. Go ahead. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, nous sommes aujourd'hui pour réceptionner la sous-préfecture de Bafout. La sous-préfecture de Bafout a été incendiée par les terroristes. Et puis nous avons, avec le gouverneur, nous nous sommes rendus ici pour constater les dégâts. Par la suite, nous avons rendu compte au chef d'État. Le chef d'État a mis à disposition des moyens pour la réfection de la sous-préfecture de Bafout. Mais étant donné que c'était une zone encore un peu troublée par les terroristes, nous avons confié la réfection au bataillon d'intervention rapide.
Donc, le bâtiment que vous voyez là, c'est le BIR qui a refait cette sous-préfecture. Et pour ceux qui étaient avec nous pour voir l'ampleur des dégâts, et qui sont encore avec nous aujourd'hui pour constater la réfection, vous conviendrez avec moi qu'il faut tirer chapeau au BIR. Et quand les responsables du BIR sont venus ici pour constater les dégâts, ils ont suggéré que pour protéger le bâtiment, pour mieux encadrer les activités des autorités administratives, ils nous ont proposé des miradors devant et derrière. Ça veut dire que quand le sous-préfet est dans son bureau, il y a les postes de contrôle et qui peuvent suivre jusqu'à 300, 400, jusqu'à 2 kilomètres. Donc je crois que c'est une innovation. Et je voudrais ici, n'est-ce pas, au nom du chef de l'État, chef des armées, au nom du gouverneur, n'est-ce pas, transmettre mes félicitations, n'est-ce pas, aux responsables du BIR qui ont accepté ce challenge, parce que je crois que c'est un partenariat qui démontre que non seulement le BIR est apte à protéger l'intégrité territoriale, non seulement le BIR est apte à assurer la sécurité, non seulement le BIR et les forces de défense sont aptes, n'est-ce pas, à protéger les citoyens, mais aussi, ça c'est les actions civilo-militaires. Vous voyez que là où les entrepreneurs ne pouvaient pas arriver pour faire une réfection, on a confié ce travail de réfection dans la sous-préfecture au bataillon d'intervention rapide. Le travail a été bien fait. Vous avez vu la salle de conférence, le bureau du préfet. Maintenant, on va équiper ce bâtiment. Mais je crois que j'exprime en tant que ministre la satisfaction. Et je crois que ces innovations avec les miradors, ça, c'est des précautions que nous allons de l'avant prendre lorsque nous voulons encadrer, n'est-ce pas, la sécurité des autorités administratives. Donc, une fois de plus, le lieutenant-colonel qui est ici, là, je pense qu'ils ont fait du bon travail. Je rendrai compte à qui de droit. Maintenant, le sous-préfet de Bafoud peut travailler dans un environnement sécurisé. Et je crois que c'est important, n'est-ce pas, de louer ce partenariat. Donc, pour ceux qui parlent de l'armée camerounaise, mais que les forces de sécurité camerounaises peuvent aussi s'atteler à d'autres tâches, la construction, n'est-ce pas, les missions de santé, l'éducation et autres. Vous avez vu que dans certaines localités où les enseignants n'ont pas pu dispenser les cours, c'était la gendarmerie, c'était la police, c'était l'armée qui dispensait les cours, n'est-ce pas, aux élèves et aux élèves. Donc je crois que c'est un bon partenariat que nous saluons. Nous allons encourager ces activités civilo-militaires. Là où les entrepreneurs ne peuvent pas nous donner satisfaction, nous allons solliciter le BIR, le génie militaire, pour refaire, n'est-ce pas, certains bâtiments administratifs qui ont été détruits par les terroristes. Et je crois quand même que notre présence ici à Bafoud aussi, c'est un signe que le retour à la normale est pour bientôt. Le gouverneur m'a donné le compte-rendu de la situation de la ville, mais je pense que d'après ce que je constate, il y a un retour progressif à la normale et nous voulons également encourager les populations, n'est-ce pas, à nous suivre sur cette voie. We have come here to commission that the work was well done and that we can come and visit exactly what was done. So we are here today to commission the building and I think that I'm so impressed because we have some innovations like all this. Police special, how do you call it? Yes. Yes, where they can stand. Yes, I think that it's something which is an innovation. You see that when you sit there, you can see at a distance, we can say more than 10 kilometers. So when you see the enemy coming, they can recognize the enemy. So I think that this is a sign that within the military and the civilians, we have a good partnership. Because when they talk about the military, people think that the military is just out for to protect or to provide security or to put down the truants or to but I think that the military in Cameroon is professional because they are multi-dimensional. There are so many things. We have seen the military in hospitals. They have their own hospitals. They have very, very professional doctors. We have gone to schools where most of the teachers had abandoned the schools and the lessons were, we saw military people were teachers and things like that. So I think it's a very good partnership between the military and the civilian authorities. And I think that what we have seen in Bafoud, this is not the only DIOS office which has been constructed by the BIR. We have given them 5 or 6 of the DIOS offices which were banned by them. And the reports given by the governor of the region, I can say that things are coming back to normalcy. So I've called the DIO, the parliamentarian, and the mayor who is here. They have to talk to the population that we have all interests.
that Bafoum, which used to be a strong economic center, people should go back to work. On the 11th of February, President Paul Biya said politics is over and that people should go back to work. We want to see the schools operational, the businessmen doing their businesses, and so that things should come back to normalcy. I think that is my wish. We have seen that there are other challenges that we'll discuss during the security meeting that I will chair in less than 30 minutes at the governor's office. But I think that so far as we are concerned, people who know about Bafoum, I think things are moving back to normalcy, and we want to encourage the local population to work with the local administrative authorities as well as the forces of law and order. It's a good partnership, and we are encouraging the military and the civil authorities so that we can provide peace and continue to protect the population. I think the main mission of the government is to protect the people and their property. So we cannot do that if we don't have assistance from the population. We have to work together, and those who are still in difficult areas, some are in the bush, some are hiding left and right, they should come out and live a better life. So that is the message that comes.